Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR900. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce fameux concours maudit. Si vous m'avez suivi récemment, j'avais annoncé ce concours dans des posts. C'est pour ça qu'il faut bien activer la cloche de notification et s'abonner pour avoir les infos. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce concours maudit. C'est très très simple en fait. Je vous propose de gagner ce K911. Alors, le K911, si vous vous souvenez, lors de ma vidéo, ça s'était très mal passé. Alors, qui osera participer pour gagner ce drone qui est moyen? Voilà pourquoi ce concours s'appelle le concours maudit, puisque vous allez gagner un K911. Et un K911, ben, c'est pas ce qu'on croit. Néanmoins, le K911 est un drone qui fonctionne quand même. Ça va parfaitement aller pour les gens qui vont débuter, qui désireraient acheter un DJI plus tard. Si vous commencez avec celui-ci, eh bien, je pense que le DJI que vous aurez plus tard, ou même le Fimi ou Upsan ou Hotel que vous aurez plus tard, eh bien je pense que vous verrez la différence entre un drone comme celui-ci qu'on arrive à faire voler, voilà, et puis une marque plus importante que vous pourrez peut-être vous payer à Noël. Donc je vais quand même vous le montrer, hein, en vous expliquant en même temps le principe du concours. Donc le concours, ça se fera comme d'habitude. Par tirage au sort, on fera le tirage au sort, je pense, samedi prochain ou vendredi soir, peut-être, j'en sais rien, on verra selon mon planning. Et donc le gagnant gagnera ce drone K911 dans sa petite pochette. Le K911, normalement, il est un détecteur d'obstacles. Le détecteur d'obstacles était vraiment une grosse daube que finalement je l'avais enlevé et puis je l'avais ouvert pour voir comment c'était foutu dedans. Donc je l'ai foutu à la poubelle. Vous n'aurez plus le capteur d'obstacles ici. Donc c'est pas plus mal parce qu'il vole bien mieux sans capteur d'obstacle. Il fonctionne parfaitement bien. Il y a une seule batterie, hein, qui est là-dedans. C'est un drone qui vaut 150 balles malgré tout. Alors je vous mets le petit câble. Il y a le petit tournevis. Je ne l'ai jamais déballé, hein, puisque c'est toujours pareil. Donc, vous avez des hélices de rechange. Et puis les petites notices. La petite radio qui va bien. Tac. Un petit drone qu'on peut faire voler en mode GPS ou en mode non. Normal. On va régler un petit coup de gyro. Il démarre parfaitement. Qui osera participer à ce concours maudit pour gagner ce drone? Rendez-vous au tirage au sort, bonne chance. Je vous mets les conditions de participation. Ça, même si je vous ai pas dit ici, lisez ce qu'il y a là-dessous la vidéo, hein, déroulez la vidéo, lisez ce qu'il y a dessous, et puis voilà. Allez, au revoir. Ah, ça y est, elle a fini. Je pense qu'il a oublié de présenter les nouveautés que je devais présenter. Hein? Bon, bah tant pis, on va faire avec. Hein? Ah, bah voilà, je suis tranquille. Génial.